C'était une véritable légende du football en Allemagne, mais également dans le monde entier. Ses exploits en tant que joueur et entraîneur ont rythmé le quotidien des Allemands pendant plus d'un demi-siècle, et ce n'est pas pour rien qu'on l'appelait le, qu le surnommait l'empereur. Sa carrière a débuté au Bayern Munich en 1964, devenu un des plus grands clubs d'Allemagne. Il a été double ballon d'or, et c'est l'un des trois seuls footballeurs au monde à avoir gagné la Coupe du Monde à la fois en tant que footballeur euh, joueur, mais également sélectionneur, avec Mario Zagallo et Didier Deschamps. D'ailleurs, en 1990, c'est lui qui a mené la toute première équipe réunifiée d'Allemagne après la chute du mur à la victoire. Et ça, tous les Allemands s'en souviennent. Il a marqué plus que tout autre l'identité de la mannschaft et du football allemand. Quelles sont les réactions sur place alors sa mort fait bien évidemment les gros titres dans les journaux allemands, le monde du football pleure son départ. Pour le président de la Fédération allemande de football, Bernd Neuendorf, je cite, l'empereur était l'un des meilleurs joueurs que notre sport ait jamais vu. Franz Beckenbauer laisse un grand héritage pour la fédération et le football dans son ensemble. Le joueur français Franck Ribéry qui l'a côtoyé comme président d'honneur au Bayern Munich lui a rendu hommage également sur X, anciennement Twitter, en publiant une photo avec lui et cette légende. Salut empereur, reste en paix. Mais le monde politique également s'est exprimé. Le chancelier Olaf Scholz euh, sur X a déclaré Franz Beckenbauer était l'un des plus grands footballeurs d'Allemagne et pour beaucoup l'empereur, aussi parce qu'il a enthousiasmé le football allemand pendant des générations. Il ne fait donc aucun doute que sa présence manquera à toute l'Allemagne quand le championnat d'Europe se tiendra ce printemps dans le pays.